c'est notre devoir, informer, c'est notre désir. Mesdames, messieurs, bonjour. Au sommaire d'Economa News ce jour, digitalisation du secteur universitaire, le centre numérique de l'université de Yaoundé inauguré. ESMATA comme cluster d'innovation et annonce d'événements technologiques, c'est également dans ce journal. Voilà pour les titres. Digitalisation du secteur universitaire, le centre numérique de l'université de Yaoundé 2 inauguré. Le ministre camerounais de l'enseignement supérieur, Jacques Famendongo, a inauguré le lundi 13 mai à l'université de Yaoundé 2 à Soa un centre de développement numérique. Le centre, d'une capacité de 40 étudiants, est doté d'une salle de classe intelligente. Il est équipé de technologies de pointe pour la numérisation et la production des cours multimédia d'enseignement à distance. Évolution technologique au Cameroun, l'ART dévoile sa plateforme de communication électronique d'urgence. Comme d'accoutumée, l'ART chaque semaine diffuse des vidéos édifiantes sur ses activités via son compte YouTube. Le but étant de se rapprocher des consommateurs. Et ce week-end, l'Agence de régulation des télécommunications a choisi de présenter une infrastructure dénommée la plateforme de communication électronique d'urgence. Nous y reviendrons dans nos prochains éditions pour plus d'informations. Cluster d'innovation dans ce journal, ESMATA est notre priorité. ESMATA, École supérieure de management et des technologies appliquées, est un établissement d'enseignement supérieur situé à Yaoundé au Cameroun. Ils offrent à ses apprenants un cadre d'apprentissage approprié et une formation adaptée aux exigences et aux besoins des entreprises grâce à des équipements modernes et à des enseignements de qualité. Annoncer des événements technologiques dans ce journal, le centre de formation professionnelle World Tech Engineering organise une formation sur le soleil photovoltaïque dès ce jour 15 mai au 15 août 2024 à Yaoundé. Local Host Academy annonce une formation certifiante en hacking éthique et cybersécurité à Douala du 22 au 23 juillet 2024. Toujours Local Host Academy qui annonce autre formation certifiante en design et communication digitale le 10 juin à Douala et le 17 juin à Yaoundé. Le séminaire sur la digitalisation des processus partenaires est organisé à Yaoundé par le réseau communicateur PMA est parrainé par le ministère des Postes et Télécommunications dès ce jour 15 mai jusqu'au 17 mai 2024. À retrouver pour plus d'informations dans votre application Econuma. Et c'est la fin de ce journal. Mesdames, Messieurs, votre fidélité nous honore. Retrouvez-nous en repli sur l'application Econuma disponible gratuitement sur Play Store et App Store.